Et on va le jouer à deux. Sunu. Feinte le centre pied droit, revient sur son pied droit, le centre, ça y est, c'est parti. Ça arrive jusqu'à Nolan Roux, le tir en pivot de Nolan Roux. C'était intéressant. Hein. Il avait réussi à contrôler ce ballon. Mazikou avec Thio. Check Dumbia. Bonne percée de Doukou qui va vite. Doukou, la frappe croisée. Quel arrêt magnifique de Paul Delocroix. Et la première très grosse opportunité pour l'équipe du FC Borgo. Pas énormément d'occasions, hein, à part cette frappe croisée de Doukou tout à l'heure. La tête de Nolan Roux qui est passé devant. Bien joué encore, la bonne passe pour Kouakou. Gaëtan Kouakou, 1-0 pour le FC Borgo. Ça pendaonnait des Castelroussins, ça faisait plusieurs fois que les joueurs de Borgo étaient insistants sur le but de Paul Delocroix. Et là, ils sont récompensés. Douche froide sur Gaston Petit. But pour le FC Borgo du numéro 24. Laïc Viltard. Viltard avec Aloïs Fouda qui va encore avoir une position de centre. Ça arrive jusqu'à Nolan Roux. Ça revient sur Sofiane Daham. Reprendre volée au-dessus. Ça a bien combiné là sur le côté droit. La remise en jeu de Mazikou. On va chercher à droite à Loïs Fouda. Et fin de cette première mi-temps entre la Berrichonne de Châteauroux et Borgo qui mène 1-0 avec le but de Kouakou à la 19e minute de jeu. Ferrice Ngoma qui va prendre son élan. Alors est-ce qu'il va tirer côté gardien ou tenter de faire redescendre le ballon derrière le mur qui redescendent très très vite, hein, parce qu'on est, on est prêt. Il a tiré, oh là là, dégagé, ça revient sur Nolan Roux, ça repasse devant la surface, ça revient sur Aloïs Fouda qui tente sa chance et c'est au-dessus. C'était pas mal tiré de la part de Ferris Ngoma, ça a été dévié par le mur qui se prépare. Sunou rentrant, bien tiré, dégagé des deux points. Ça revient derrière la reprise de volée. Nolan Roux. Nolan Roux, basque en pivot. Pas de faute. Et le, la frappe derrière de Gilles Sunou qui s'envole. Grégory Coelho pour la remise en jeu. Félix Lé. Ngoma qui réussit à se défaire du marquage. Nolan Roux en pivot. Le tacle, ça revient à Nolan Roux qui tente le lob. Ouh là 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 là, c'était dangereux ça. Ça a failli finir dans la lucarne de Barbé. Cette, avec le vent, cette frappe de Nolan Roux. Dernière seconde à jouer. Et peut-être, peut-être l'égalisation. Castelroussine, le gardien Paul Delocroix est monté, le corner tiré. Ça arrive sur la tête de Basque. Quel arrêt! Quel arrêt exceptionnel d'Hugo Barbé. Et fin de ce match, la victoire de Borgo 1-0. Sur ce dernier arrêt, on va le voir sur le corner.